avec le double devoir de respecter ici, scrupuleusement, les consignes des autorités scientifiques et sanitaires et de faire vivre notre démocratie, nous sommes réunis dans un format réduit en nombre de participants pour contrôler l'action du gouvernement et des pouvoirs publics. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte singulier, puisque notre pays vit une crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle, dont les répercussions humaines, civiques, économiques et sociales sont encore difficiles à mesurer. Ces textes ont pour vocation d'aider concrètement nos compatriotes face aux difficultés de toutes sortes. Puis viendra le débat dans l'hémicycle, aujourd'hui sur le projet de loi de finances rectificative et demain sur les projets de loi portant sur les mesures d'urgence à prendre sur l'organisation des élections municipales et sur les enjeux économiques et sociaux. Plus que jamais, l'Assemblée nationale est le cœur battant de notre République et de notre démocratie dont nous garantissons ensemble, ici, les valeurs et les principes.